Salut à tous, c'est Tomzito pour le 7ème épisode sur Dark Souls. Donc dans cet épisode nous allons faire un petit détour juste au début. Déjà nous allons monter de niveau. Alors, je vais surtout augmenter maintenant la vigueur. Plus d'équipement. Parce que si je trouve un espadon... Ah quoique non, ça va me servir pour l'instant. Ouais, j'augmente un petit peu ça pour l'instant, parce que de toute façon il faudra que je l'augmente à un moment, parce que si je joue avec des grosses épées ou des grosses armures, il va falloir que ma charge soit augmentée. Je sais pas combien il faut pour un espadon, à mon avis ça doit être dans les 30. 30 ou 40, non c'était combien dans le 2, ça devait être 40. Ah, ok. Alors je vous retrouve au cimetière pour essayer d'aller rebattre l'espèce de premier lézard qu'on a vu au début de l'aventure et que je suis passé à travers en fait. Ah c'était là. Tapez-vous. Ah. Ah il y avait un peu plus d'eau, c'est bien par là. Voilà. Écaille de titanite. Ok. Alors ça servait pour les armes de buzz dans le 1. Écaille de titanite. Elle confère aux armes transposées un renfort de plus 4. D'accord, donc c'est pas spécialement pour les armes de boss. Nous verrons bien si ça sert juste pour les armes de boss ou pas. En fait, il n'y a pas d'autre chemin et il n'y a pas de loot. En fait, le loot... Ah si, il y en a là. Les gens inconnus, bon ça on s'en fout un peu. Bon bah je vous retrouve au prochain endroit que je voulais faire avant de continuer l'histoire, ça va prendre vraiment 2 minutes et après alors, ça sera parti, à tout de suite. La vigueur. Bon, me revoici au deuxième feu. Voici au deuxième feu et en fait c'était juste pour vérifier que la clé qu'on avait obtenue ouvrait bien celle des égouts. J'avais pas retrouvé le nom. C'était voilà. Clé de la cellule des égouts du corps de mort vivant. Une sur laquelle on finit par tomber en apparent des égouts. Ok donc je sais pas si c'est vraiment utile de le faire parce que ça va être... En gros ça nous fait... Voilà ça nous fait arriver ici et on doit traverser... Et, toutes
les catacombes. Ok, donc ça sert, ça fait un petit raccourci, mais bon, c'est pas très important, sachant qu'on savait comment y aller. Au pire, moi je vous retrouve dans l'église et dans le nouveau passage. A tout de suite. Je voulais monter en haut. Oh non, il y a toute une zone qu'on a. Oh non, 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 non. Ah non, mais là on va pas être d'accord. Hein. Le jeu il rame comme ça. Des coups de lag comme ça le jeu. D'accord, donc je peux plus y retourner à mon petit village que j'avais trouvé. Merde. Il y a un moyen de changer le sens du levier, non? Ah là, là, là ça m'embête. Ça m'embête grave là. Vous savez quoi, je vais fouiner un petit peu et je vous retrouve si j'arrive à y retourner. Bah, sinon tant pis, hein, on continuera l'aventure ici. Ah putain! Ça me gonfle! Rat de merde là qui me bloque! Casse les couilles aussi ça! Une roulade, ils m'ont fait 40 000. Bon, sévère avec son pot. Hein. Oh là, y a un passage. Y a un passage, y a un passage. Complètement par hasard. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Des détritus. Finalement, en fouillant la zone, il y avait pas mal de choses. Oh, il y a un feu. Oh non. Blague, il y a un feu ici quoi. Est-ce que ça va nous mener? En fait, c'était un super raccourci pour aller affronter le boss au final. Mais juste côté, je montais direct là-haut au lieu de faire 36 000 chemins que j'ai fait dans l'épisode d'avant. Yeah.
Dégage aussi. Ah. Une hache légère, d'accord. C'est tombé où ça? Parler? Aha. Unkindled, are we? Avec des prisonniers ici. I a crow in his cage, as you see. Un corbeau en cage. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Il peut m'enseigner la pyromancie. Ah, most wise. A chance to reiterate. I am Cornix of the Great Swamp. Du grand marais. Putain, ils viennent tous des marais, les pyromanciens. Ok, donc un... Ah, j'allais dire à Majula. Non, c'est plus Majula, c'est... les cheveux. Ça sert à rien. Ok, donc ça servait juste à aller là, le feu. C'est super pratique, hein. Je peux juste tomber et j'étais nickel pour aller au boss. Bon bah j'ai toujours pas trouvé comment retourner dans la zone. Je pense que c'était une zone secrète, hein, parce qu'il y a que par le... en fait qu'on pouvait y aller. Et je vais voir, je vais continuer à fouiner et si je trouve quelque chose, bah... Je vous reprends et sinon on continuera l'aventure. Donc à tout de suite. Donc re-salut à tous, donc me revoici dans l'église, en fait c'était tout con. J'ai cherché dans toute la zone, dans toute la map. Finalement c'était tout con. Et en plus je pense que je l'avais dit dans l'épisode précédent. Et je m'en suis rendu compte en faisant une glissade comme ça. J'en ai fait deux, je dis merde. L'ascenseur était tombé. On me dit bah c'est pas grave, je vais aller la rattraper. Je vais aller la rattraper ici. Et finalement il y avait un deuxième ascenseur. Tout simplement. En fait je suis sur un coup de bol parce que en plus je suis sûr que j'en avais parlé dans l'épisode d'avant. Et je l'ai pas fait en fait. Enfin, j'ai mal fait. Non ! Oh ! Pourquoi t'es descendu cache ? On va réussir. Voilà. J'ai eu peur un moment. C'est bon. Nous voici dans la zone où on s'était quitté la dernière fois. Maintenant, on peut explorer sereinement la zone et on va essayer aussi de battre en fin d'épisode l'espèce de monstre qui était inoffensif. On va essayer d'aller le retrouver aussi. Si vous vous rappelez de lui, donc je me rappelle très bien, il m'avait un petit peu interloqué. Rien, c'est une zone qui sert à rien, il y a que dalle. Mais non. Bien, tu peux viser. Oh. D'accord. Non, le crame pas. Langue pâle. Okay. Prouve qu'un OSR a vaincu un porte-braise. D'accord. Prouve qu'il y en a un remporté.
Très bien. Pas, fais pas le con. Nickel. Nickel. Ok, donc y a, finalement il n'y a pas grand chose à faire. Ah. Non! Non! Alors lui, se décroche. Qu'est-ce que nordique, armure nordique, pantalon nordique. Il est plus fort. Un loyal guerrier nordique, un motif, il est gravé. Les armures de fer améliorées. Si j'affronte un ennemi de froid, il faudra que je pense que j'ai une épée, une armure nordique. Donc ça, on l'avait fait la dernière fois, il me semble. Ça, on l'avait fait. Oui, ça, c'était un piège, ils sont tous tombés sur ma gueule. Perte de la vie. Pareil, sans être vu. Le chien va. Rêve. Donc là, on avait ouvert un coffre. On va le faire en deux coups de louche. Hein, c'était. Ah ouais, les deux. Quoi, je les attaque parce que déjà une je galère un truc de malade. On va passer en vitesse. On va passer là. Je ne veux pas les affronter. Anneau de Flynn. Réduit la charge d'équipement, améliore les attaques physiques. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Peut-être le mettre. Ghost boy. Tour là. Qui sont là quand même. Alors je sais pas s'il y avait une porte devant eux. Ça me semble pas. Hein. Ça me semble pas qu'il y avait de porte. Hein. On va dire non. On va dire que non. Retour, très bien. Principal, très bien. C'est traversée rapide. Oh non, c'est comme dans le 2 là, le truc dégueulasse où il faut sauter. En travers, en biseau et tout. Oh non. Oh, ça va. Y'a rien d'autre. Anneau de Chloranti. Ah, ça, c'est bien, ça. Sur les objets en fin d'épisode, hein, comme d'hab. Ça l'appelle.
Là, il n'y a plus rien. Ok, très bien. Ça, alors qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ah oui, le... Bon, j'utilise un os de retour parce que j'ai pas envie de... J'ai la flemme de marcher en fait. Je vais aller les cheveux, je vais augmenter mon niveau un petit peu parce que je pense que j'ai assez. Et je vous retrouve devant le... L'autre squelette. Enfin, le... Vous allez voir, à tout de suite. Very well, then touch take not. Farewell, Ashen One. Voilà, il fallait passer sur le pont. Sur le côté ici. Putain, je vais le tuer ce jeu. Ah, je vais le tuer. Putain, je vais le tuer ce jeu. Non, mais arrête, t'as le rocher là quand même. Ah, toi là-bas. Bon voilà. Fais toi là-haut. Je prends pas d'arrêt, je préfère te tuer avant. Voilà. Allez-vous-en. Alors je vais reparler au mec. Ici. Est-ce qu'il me dit autre chose parce que j'ai battu le boss? Nana's never coming back, so come into the cage and become Nana's shade. Another Nana disappeared. Nana's never coming back, so come in. C'est toujours la même chose, très bien. Très très bien. Non. Contrebas, il me semble. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis passé par là, j'avais pas besoin au final. Ah non, ça c'était pour revenir, d'accord, c'était pour revenir. Fragment de titane, je vais pas cracher dessus. Voilà. Quoi? Mais t'étais... Mais... T'étais archi gentil? T'étais gentil? Il est mort? What? Ouais, c'était un bug. C'était un bug lors de la première fois. Alors, il y a un objet là. Il me semblait que j'avais déjà fait tomber, mais bon. Bref. Un coup de pied. Ton game me fait pas tomber surtout. Vite vite saute dessus. Voilà, chevalière de flamme. Okay. Ça je l'avais déjà fait tomber en fait. En fait quand on va au feu, je suppose que les objets se repop aux endroits en fait. Parce que normalement ils devaient tomber en bas. Bon bah écoutez, c'est bon.
Je voulais battre le monstre ici, donc c'est ni. Finalement, c'était un bug? Bah ouais, ça devait être un bug. Ouais. Voilà. Hop là. Donc ça c'est fait. Alors, donc bon, cette fois-ci, on a vraiment dans le camp de dans ce camp à la con. Donc ce que je propose, c'est que on termine l'épisode malgré que. Enfin, je sais pas combien de temps il va durer parce que j'ai tellement tourné en rond pendant plus d'une heure et demie. Et je sais pas comment il va faire l'épisode. Ça se trouve, il va faire 20 minutes, il va faire 2 minutes, enfin, il va faire 10 minutes. Non, peut-être pas quand même, mais il va faire entre 30 minutes minimum, je pense. Ce sera peut-être un peu plus court que les autres. C'est pas grave, au moins on aura bien fouillé la zone. L'épisode, comme ça, on attaquera à 100% la nouvelle zone qui se trouve sous l'église. Avec le double ascenseur. Donc on va aller à Lichefeu, on va voir notre pyromancien où est-ce qu'il est et ce qu'il vend. Je vais vous faire voir les objets éventuels que j'ai pu avoir. Monter de niveau et on clôturera là. On va faire ça. On va faire ça. Alors. Welcome, Hospik. Very well, then touch Hignar. Montée de niveau. On va augmenter la vigueur. Non, on va pas augmenter la vigueur parce que là ça va commencer à faire cher en âme pour monter de niveau. On va augmenter la force. Tape un peu plus fort. Ouais, salut. Et donc toi t'es là. Toi le petit. T'es là. Il est ici. Je me rappelle parce que la dernière fois il y avait un truc de romancier, une marque rouge. Ah, there you are. And I wish to express for trusting a lowly pyromancer. As promised, I will impart pyromancer. But first, you need a flame. Oh, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la renforcer? Ah, c'est juste des fragments de titanite. D'accord. Alors c'est basé sur quoi? Parce que ça a toujours été un mystère pour moi, la pyromancie. Soit c'était juste l'objet en lui-même. Bah là apparemment c'est l'intelligence joue un peu et la foi aussi. La foi joue un petit peu dessus. Ok. Je vais pas gâcher mes éclats de titanite pour ça. Alors qu'est-ce qu'il vend? Couronne de pyromancie. Est-ce qu'elle a un effet? Couronne en cuir et d'anneaux d'animaux. La légende du grand marais raconte qu'en parent d'éléments naturels issus de la faune, il serait possible de protéger des flammes de la pyromancie. Le grand marais, le 11, servant l'ordre de. Du bras, ok. Il donne la tenue de pyromancien par excellence. Il ne voit rien, il voit rien d'autre. Pas de sorte de pyromancien, même pas d'armes. Tu sers à rien au final. Ah oui, d'accord, oui, tu les vends là. Ok, donc 1000 points de boule de feu. Un geyser de flammes, 1000 aussi. Grande combustion, ok. Donc, il va falloir que je. Il va falloir que j'économise pour acheter un petit peu de pyromancien, que je vous fasse voir un peu aussi. Même si ça va pas être, je vais pas m'en servir beaucoup, mais au moins que j'utilise au moins dans un épisode. Ça peut être un épisode à thématique. J'aurais utilisé être épisode de pyromage et je joue à la pyromancie, ça peut être une idée. Je le ferai certainement. Mais je ne sais pas quand, parce que là j'ai rien, donc je vais rien. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? Ok. Qu'est-ce que tu as à me raconter? Ah d'accord, tu m'apprends. D'accord, ok, non, c'était pas ça. To learn pyromancies, you must. I know, but such and pyromancy, of course. Oh, we'll need a pyromancy to. Though unorthodox, that would be the. If this were the great swamp, and you. Do not be gone.
Au final, j'ai tous les types de personnages. J'ai un pyromancien, j'ai un. Je sais pas quoi, un. Je sais pas comment l'appeler, hein, une merde. Et j'ai. Dans les sœurs, j'ai celle qui me sent, qui vend les miracles. J'ai un peu de tout en fait. Gaining admission to even a cursed undead. I. Ok, donc on s'en fiche de ce que tu me dis. Ok, bah très bien. Bah on va clôturer l'épisode ici. Je suis vraiment désolé qu'il soit un petit peu plus court et qu'il soit pas passé grand chose, mais ça me tenait vraiment à cœur de finir vraiment la zone en entière. Et depuis y revenir en fait, depuis y revenir par la suite, parce que là on a vraiment tout qui est resté caché. On a vraiment tout découvert. Attendez que je dise pas de bêtises. Je regarde ma petite feuille vite fait. Ah, PNJ à droite, premier feu, il y a une cage. Oui, ça c'est. Oui, on a été le voir à la fin, il dit tout le temps la même chose, donc ça sert à rien. Porte, deuxième feu, raccourci, tunnel. Bon, oui, ça on a ouvert avec la. L'église, bah, pour le raccourci, on l'a fait. Donc, on a vraiment tout fait dans le camp. Donc la prochaine fois, ça sera du 100% nouvelle zone. Et ça sera le retour des. Des défis, je vais me lancer un petit défi dans le prochain épisode. Dans celui-ci, je me suis rendu compte que j'en ai pas fait non plus. Mais je le ferai dans le prochain, pour la nouvelle zone. Donc sur ce, moi je vous dis bon jeu à tous, et à la prochaine!